Gorel pété dans la République, mesdames, messieurs. RNDDH, Réseau National des Droits Humains, n'a couru dans le dossier bateau Sahara qui était dans le port de paix. Nous connaissons, mesdames, messieurs, bateau Sahara qui était engendré en pile gros déclaration, en pile l'obéi à Teddy. Mesdames, messieurs, situation Sahara tellement compliquée. Diverses personnalités ont été chapeaux bien bas. Devant moucher la police nationale d'Haïti qui fait travail pas là, mais malheureusement, donc à côté la justice paye d'après libérer, mesdames, messieurs, à auteur ou bien un représentant de tout ça, au fait quitter à Apmenel. Et RNDDH même qui était sorti, mesdames, messieurs, notre palis sous question de Douansa, surtout qui est reproché. Directrice Douanza, qui c'est Rebecca Etienne, qui selon eux-mêmes, c'est à Yuna Moun qui était soudoyé donc, pour permettre qu'elle avance. Donc, dans le cadre de ceci-là, il y a plusieurs arrestations, mesdames, messieurs, et surtout, il y a l'arrestation de Maître Robinson Pierre-Louis, qui était en bas code dans le dossier ça. Madame Mouché a décidé, Madame Maître Bateau a décidé de parler. Elle d'un paquet de causes qui dérangeait la République. Bral permettre qu'autant d'il. Wap saisi ou comment Port-au-Prince piégé. Comment bagay yo mélange matin, midi et soir. L'on attend des haïtiens kap pale, c'était comme quoi. Bagay la ta très sepa. Non. Preuve la pile, même bral font façon pour moi. Comment m'ka fontan de tibout la dan, moi mbral boke détail. Et tout de suite, dans fin émission, on va jouer tout reste là. Pays d'Haïti fragile, bagaille compliqué non niveau, personne moun pas ta espéré. Et certaines fois, t'as posé ta toute question, est-ce que pays ça, on fois, ou capable de faire des moun confiance ça plus? Bien que, moi connais, donc, Haïti, dans pile moun, pas un problème moun qui honnête, pas un problème moun qui bon, pas un problème moun qui gagne de bonne volonté pour avancer. Seulement qu'il y a un problème de monde qui voulait faire travail là, Jean-Louis Fell là. Je dis, il y a un problème de monde qui voulait avancer à travail là, Jean-Louis Fell là. Mesdames, messieurs, situation est vraiment compliquée, mélangée dans la République. Je vais le permettre qu'autant d'elle. Madame, ça a tellement cassé maintenant plusieurs mondes où tu as dit tout. Madame n'a pas parlé avec elle, avec sincérité, avec un pile. Elle est vraiment calme pour l'avancer avec Thèse Balio. On va le saisir, ouais. Comment madame ça a senti bagaille important pour lui pour ça avancer et situation ça répéter trop dans pays et certaines fois obligé gon différence qui poser nous parti pour une journée grand pile cause que pral dit m'a venir entendez une saisie qui était faite sous bateau Miss Client qui c'était juillet et qui était premier vendredi 1er juillet 2022. Allez, on va commencer parce que comme on dit en pile vérité, nous avons même retracer l'événement pour nous. Oui. Et vendredi, jeudi qui était 7-9-10 juin, monsieur Eddie Lafran est allé dans compagnie aux États-Unis, il est allé nous côté de série de cargaison pour lui, il est reparti en deux parties. C'est qu'il y a une partie qui était identifiée à 74-14. Il y a un autre qui était identifié à 338. Dans sa 338 là, il était gagné 32 boîtes par année avec un doum. Et dans sa 74-14 là, il était identifié avec manger, du riz, le bagage, les besoins pour le servir. Le monde qui a reçu la marchandise pour juger cargo, qui était compagnon, il était demandé qui est-ce qui est dans la boîte 32 boîtes. Il était identifié comme c'est mix pépin. Et boîte qui était identifiée comme bagaille de job qui gagne alternateur dans yo. Et l'autre partie qui était gagne du Rio, c'est bagaille courue d'après loi aux États-Unis où aller de ça que mon nan dit ou qu'il gagne avec ça que ou même ouais c'est constaté ou décrit marchandise c'est côté barou yo. Et bateau a quitté aux États-Unis 24 juin et il rivé ici 27 qui était lundi. Nous commençons débarquer mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Jean que nous faisons débarquement par rapport au départ, c'est dans la main, nous allons mettre un petit canot, et puis quand nous allons mettre un bâillon à terre pour les gens qui mettent marchandises, ils viennent recevoir. Pendant que vous recevez marchandises, pendant que M. Fritz, René Lisclan, qui mentionnait dans le dossier après marchandises, Marie m'a dit qu'il y a un petit boîte qui est pépé en noir,
et si d'autres qui étaient en noir là aussi j'ai vraiment c'est trois monde qui engagé pour lever cette boîte là. Marie me dit comme ça que qui est qui dans cette boîte là comme ça qui loue comme ça qui ça c'est trois monde qui engagé pour lever cette boîte là. Inspecteur qui sont démarré me dit ça la vérifier cette boîte là. Parce que Marie me toujours questionne cette boîte petite qui ça dans yo c'est parce que client yo qu'on porte moteur. Machine pour pas droit pas joindre moteur. Ils ont plié l'anti-boîte et puis ils ont raté en noir pour ne pas identifier qui est cette boîte là. C'est pendant que Marie dit ça et douanier à ses vérifications, lui ouais c'est pépé et puis en dedans boîte ça lui ouais trois autres boîtes encore qui c'est cartouche. Les pour de vérifier on l'autre numéro dans même numéro encore c'est même bagayau. Les vérifions troisième encore c'est même bagayau et puis ils campaient toute boîte qui était parce que c'était 14 qui était allé dans jour avant. Avec Doum, non, et lui tout vérifier, lui tout mettre toute l'autre boîte en otage, et puis lui mettre tout les sortes qui concernent eux, pour même venir vérifier ça qui est dans cette boîte. Et c'est parole ça, c'est Marim Dian, qui fait que qui a toute arrestation, qui vient arriver à l'arrestation Marim, et c'est parole ça tout, qui fait que il va fouiller la caille moins après arrestation Marim, à 10h du soir, plus de 25 monde cagoulés, sans l'ordre. La caille moins et ce bagage ça tout qui rivé c'est me cacher ça qui derrière bagage ça qui fait jusqu'à présent et gain rapport qu'a bail on paquet menti que yo dit que Marim payé madame Rebecca Dreyfuss pour pas fouiller boîte et c'est même parole ça tout qui fait tout son qui fait jusqu'à présent yo indiqué Marim que c'est un associé il fait association malfaiteur et yo pas ca différence between Jacques René, qui était venu prendre marchandise et qui assumait responsabilité et qui a mené mon la caille moun que le tal prend marchandise c'est seulement parole ça c'est après au fin pour réunion avec douanier a diversion Jean bagaille l'ont passé hein et c'est depuis ça toute bagaille ça a recommencé. OK. Donc 14 boîtes avec drum ça qui était déjà allé à est-ce que la police t'est rejoignio? Moi pas connais si on te rejoigne yo parce que yo t'al nan kay côté mais si après nan kay côté il te déposé 14 boîtes avec doum nan. Est-ce que dans tout ça nous t'a enregistré nous même comme propriétaire bateau nous te gagné des matériels qui t'a prêt joindre l'église épiscopale réellement? Non, ça sont l'autre dossier. Non, ça sont l'autre. Ça c'est pas c'est port de paix. Là, nous port de paix. Port de paix. Ok, de d'accord, paix. Je m'excuse. Oui, oui. D'accord. Donc, boîte ça yo, colis ça yo, c'est Eddy La France qui te pote yo dans bateau. Eddy La France. Côté citoyen ça, lui-même. Il pote yo, Eddy La France, on ne connaît pas côté lié pour le moment, mais nous-mêmes qui compagnie, c'est qui compagnie. Autendez, Jean-Madame n'a dit causé, Jean-Madame n'a expliqué un paquet bagay. Et malheureusement, mesdames, messieurs, tu as posé ta toute question. Est-ce que le pays d'Haïti a gagné un problème? Mesdames, messieurs, je me prends le soin de analyser la question de Wanza. Et avec sincérité, je dis nous ça, je me sens il y a des bagailles qui ne sont pas tout à fait en forme. Faut à dire, mesdames, messieurs, la République d'Haïti a un problème qui a passé à plusieurs reprises. Chaque jour, mesdames, messieurs, les bagailles viennent plus. Mon gommet, t'as assemblé les bagailles là. Changer forme matin midi et soir dans dossier ça m te prend le soin m t'a imaginer qui ça bagala yé comment bagala passé et m t'ai décidé malgré tout moi effleurer antenne moi dans niveau qui piroa pour mal chercher comprendre qui ça bagala yé dans douane port de paix mesdames messieurs en dans port de paix à plusieurs reprises gain toujours gain de difficultés c'est pas seulement dans cette systems lilia gagné mesdames messieurs de difficultés assez souvent sous plusieurs bateaux selon information que qui communique avec nous-mêmes nous finalement comprendre gagné des difficultés toujours qui toujours venir avec plusieurs reprises mesdames messieurs à plusieurs reprises ça pas jamais permettre que il y a des changements qui viennent de façon opérationnelle ou qui viennent systématiquement et pas assez souvent tout gagner des communiqués qui fait pour dire que voilà
gagner tel groupe monde. Chaque fois qu'il fait des commandes, il y a chaque fois où il y a des bagages qui appartiennent à la coupe au prince, assez souvent toujours gagner des munitions là-dedans ou d'armes. Donc, pas jamais vraiment des alertes qui fait sous nos mounes à you. Ça, c'est la première considération que tu fais, la première série d'analyses que tu as fait, yo, qui te met un bon problème. Et après série d'analyse, ça y est, finalement, comprenne. Eh bien, mesdames, messieurs, il y a plusieurs bagailles que nous prenons en considération. L'État, personnellement, pas respecté tête li. L'État, personnellement, pas fait travail qu'elle doit faire. L'État, personnellement, baille les portes ouvertes à quel que soit groupe de mounan pour faire ça qu'elle veut, j'ai qu'elle veut, moment qu'elle veut, façon qu'elle veut. Puisque, mesdames, messieurs, si assez souvent, nous retrouvons des individus qui, comme quoi, t'as entré tête, yo, n'ont fait l'obéir ou fait madigridi dans la coupe Port-au-Prince, ou, mesdames, messieurs, dans ville Port-de-Paix, quel que soit côté lié dans le pays, faut que l'État et la justice prennent responsabilité, yo. Surtout la justice dans l'État prend responsabilité, nous, pour nous mettre des alertes contre Mounsa, yo. C'est pas sûr que l'homme était à l'étlan, donc ou crasé amitié. Oui, c'est vrai, mon crasé amitié, m'ont sauvé plusieurs vies. Ou sauvé, mesdames, messieurs, plusieurs mouns qui t'apprêtent à kidnapper. Et ou permettre que y ait plusieurs zones qui étaient tout à fait tranquilles. Y a des jeunes garçons, probablement t'es qu'à dîner, ça y est, y'a pas pour aller entrer dans une série de actes malhonnêtes qui capable permettre que la vie au passé de très mal. Mesdames, messieurs, l'État supposé prendre responsabilité en fonction de transport ou bien transfert qu'a fait dans le pays. Comme disait mesdames, messieurs, Emmanuel Ménard, Haïti tout non pays transactionnel. Tout ça qu'a fait, li passe la donne pour enrichir un groupe de moun, pour enrichir un moun, côté que bagaille ontijan vraiment mélangé nan niveau l'État. C'est comme quoi l'État a senti la meilleure chose que l'État supposé faire, c'est permettre que pays aller gens capable là, ils sont facteur que lui-même l'a vivre, l'a fonctionner, l'a manger et bien il gagne l'argent en mêle pour l'avancer mesdames messieurs. Donc l'État encore une fois est mis à part de analyse ou série d'analyses que me fait yo, mon autre analyse que me fait tout, la justice montrait que li incompétent dans dossier ça. Tout comme quoi est-ce que si moun nan gen de feuille de route nan men, routing yo normal, qui sa que la cause la justice obligé réagit tardivement dans dossier ça? Qui sa que la cause c'est tout de suite après la justice pral comprendre on tranche dans la justice là pral comprendre complice yo là en bas genouan, donc c'est eux même qui a fait de graves mouvements. Donc pays d'Haïti yon justice qui tout à fait boiteuse, yon justice qui pas quoi avancer, yon justice qui pas quoi n'a fait n'a fait mesdames messieurs des pressions sous l'État nan niveau pal, yon justice qui tout à fait incohérent, yon justice qui dit tête li donc faut yo capable à jouer un petit parti paywa pour faire du mouvement. Troisième série d'analyses que je fais, c'est surtout mesdames messieurs dans les personnalités politiques également dans ceux qui disent aussi responsables des organismes de droits humains. Je veux parler de Pierre Espérance. Oui, Pierre Espérance a fait du travail colossal assez souvent dans le pays d'Haïti, dans des dossiers vraiment difficiles, dans des dossiers qui vraiment compliqués. Mais je suis sûr que dans le dossier ça a manqué enquête approfondie et manqué tout, mesdames, messieurs, suffisamment de preuves en fonction de ça que vous dites. J'estime c'est une guerre qui mal débuté par rapport avec la personne de Rebecca Etienne qui au fait selon les informations que me recueilli mesdames messieurs qui dit madame Zaha a fait un deux mois tout à fait impeccable. Et c'est vrai que en Haïti ou pas fin trop qu'à parler bien de monde parce que assez souvent c'est un coup monde qui va le marier chaque monde obligé que grain zano ou grain bag paywa Kayon Fèv, s'il pas au Fèv Jean, la pour Fèv Jacques, s'il pas Jacques la Pierre, et s'il pas Pierre la n'importe l'autre citoyen dans le monde entier, qui, normalement, mesdames, messieurs, ta moun qui ta, là pour permettre que chaque moun, yo gagne complice pa yo. Donc, Rebecca, capable bien, niveau de faiblesse pal, mais normalement, mesdames, messieurs, donc, gen moun qui considéré comme une attaque indirecte de la part de RNDDH qui,
aller foncer sous blam nan. Bien que instance droits humains pas obligé gen moun y a pèse héberge. Jean Bagala y a faut que la gueule correctement sans dire adieu à n'importe quel groupe moun nan. Mesdames messieurs, donc série d'analyse a on fait yo et c'est sincèrement gen autre chose que moi on pas qu'être l'autre bagaille que l'état est vraiment procrastiné et de la part de ça que yo t'as supposé faire ou pas faire non. Et sécurité qui responsable sécurité pour bateau on les bateaux chargés côté nous en forme nous gagnons toute information et de la France ça nous gagnons trois cartes et de la France ça qui enregistré par fédéral aux États-Unis nous gagnons machine 20 machines là qui était venu porter marchandise aux venir nous gagnons toute preuve de ça dans cahier non et essayer nous gagnons toute preuve comme preuve si que tu as besoin bagage ça veut dire la justice pour commando information ça sur et de la France non. Non. Est-ce que Miss Lily qu'on habitué porter et bagay pour Eddie la France? Non, nous pouvons faire ça. Peut-être et vous connaissez Lily Bailey sous deux noms, Lily Bailey sous Marie Guilaine estimable et nous pouvons jamais porter. Et si toutefois que tu gagnes un Marie Guilaine estimable ça d'après ouais que douane pour de faire, je comprends deux noms ça y est impliqué dans ces armes dans l'autre bateau déjà. Et si le fait est fait, je te mets ton avis de recherche de mon saio, je dis maintenant nous sommes victimes de ce crime là. Parce que nous sommes bien trop contre nos mon saio, nous sommes victimes de l'autre monde, mais pas des mêmes non saio encore. Mm-hmm. En toute sincérité, est-ce que c'est dans le moment fouillant, nous-mêmes comme propriétaires bâtiments, nous prenons au courant que tu as gagné ZAM avec munitions là-dedans? Oui. À toute vérité. Et c'est parce que Marie, moi, c'est trois mounes qui engagent pour lever cette boîte là, qui est vraiment lourd. Marie m'a demandé pour qui ça s'est battu par l'eau comme ça pour ces trois mounes, ça vient dans ces boîtes là comme ça. C'est parce que mon toujours même gasoline, mon yon qu'on mette dans la boîte parce que pas qu'on est, peut-être tout ça yon joint yon voye dans le pays. Même gasoline yon qu'on mette dans la boîte, yon mette avec l'autre marchandise pour voye aller. Ça yon vraiment extrêmement lourd. Et c'est Marie qui s'est battu là tout petit et lui yon s'est en l'eau pour trois mounes engagés. À pleuver, lui demander les questions de messieurs qui travaillent pour demander qui ça fait ce bâtiment, qui fait ce bâtiment là, comme ça. Et c'est ça qui fait douanier à vérifier ce bâtiment là. D'habitude, est-ce que c'est chaque fois Miss Lily a débarqué ou même avec Marie ou nous présents? Oui. Nous toujours présents. Nous présents plus de 8 ans, okay. Depuis 2015 à nos jours, nous toujours présents. Ok, qui j'ai arrestation Marou l'en prenne fait? L'été sous Portland pendant débarquement ou bien nous te la caille nous dans Porte de Paix, là où vient arrêter Marou? On m'a dit que c'était 5 juin, hein? Pendant que nous côté fin débarqué parce que nous avons 2-3 palettes qui étaient toujours été dans le bateau. Hein? Et m'a dit que c'était 5 juin, nous jouons le monde qui est responsable sous Portland, hein? Nous allons commencer à débarquer, dit nous que y ouais, a tout un sortio pour monter le bateau. Hein? Moi relé avocat que vous t'ai consulté pendant que m'étais fin tendé et commissaire la dit m'étais interdiction de pas en lundi sur radio hein c'est pour bateau hein m'étais consulté un avocat même temps de dit toute cette situation pas monter sur bateau hein moi essayé contacter avocat hein? Avocat dit tant ni la monter tout avec monsieur sur bateau hein c'est ni marine ni avocat hein? Et directrice douane directeur immigration tout inspectionnet à faire fouille sur bateau hein. On a le au fin de fouille sur bateau hein, yo checké, yo jwenn deux trois palettes qui t'étaient pour la police sur yo checké, regarder et Marie moqué pas gain problème Marie mettre commencer débarquer. On a pendant que y a descendre, Marie profiter descendre ensemble avec yo tout pour la retarder qui ça que y a dit. Et puis c'est là Marie m'rivé et de support là, les jeunes monsieur responsable qui sont allé, sauf que c'était concerné qui sont allé et puis il y a deux policiers qui viennent avec une lettre. Lettre là dit que directeur police a dit ça remet en démarre. Marie met que ancien policier, il t'a dit que pour ça dit le tarim met tendé, il pense que c'est quelque information, dit que police a besoin d'en mène parce que t'étais tendé déjà dans samedi et après bagarre t'est fin passé, il est allé là le côté directeur police. Là il rivé la police dit, il pas connait rien de ça, il est dans enquête, il pas connait rien, il pas connait pas même qui fait 10 ans, qui fait date. Et puis c'est le moment et il y aurait le commissaire là, il vient avec pour montrer Marie dans un téléphone. Il y a un mandat que le gagnant que vous mettez contre lui, un mandat d'amener vous mettez contre lui comme associé de malfaiteur et trafic en zam. Et c'est le Saoudi qui a gardé à vue pour l'aller. Ok. Non. Et que qui ça toujours motivé présent sous ou même avec Marie ou dans tout débarquement, Miss Lily a fait yo, contrairement avec l'autre bateau? Bon, tout le monde toujours, je pense que c'est tout le monde qui a un bateau toujours présent sur toujours là. Premièrement, présence est important pour là, surtout en Haïti. C'est pour éviter pour insécurité.
parce que c'est moun yo toujours ou quand toujours jeune monde qui vient associer avec l'autre monde pour venir mettre bagarre illégal dans bateau on est la prison aux États-Unis. Non mais puisque ou même avec Marou toujours là, là pas une surprise encore, c'est sous question mandat, question association de malfaiteurs là, automatiquement débarquement a fait, nous t'es au courant et que yo joignent des matériels tant qu'aux zam avec munitions en dans bateau. Non, il pas parlé dans bateau, il était joignu dans boîte après que monsieur René Juste t'a vu te venir chercher dans une boîte. Oui, tout à l'heure, bon bail pression ça pour bon peut-être pas attendez, ou dit que c'est pendant débarquement fait pendant y a petit kéo et que Marie ou dit gon boîte ton petit boîte liwe qui loue, c'est trois monde qui met ensemble pour level. Et l'elfin dit ça, c'est laisse ça agent douanier, c'est qui petit boîte ça et libre loi c'est cartouche qu'il a dedans. C'est cartouche avec pépé. Avec pépé. Est-ce que présence ou même avec Marie ou dans débarquement Miss Lilian toujours fait tout dans embarquement? Pas forcément parce que nous avons un monde pour, et aux États-Unis qui recevra charge pour nous. Mais monde ça pas constater petit boîte ça en pile mon apporté depuis aux États-Unis. Non parce que connaît aux États-Unis, c'est pour plus qu'il levé boîte sur les monde venir, il dépose toute boîte sur son palette et pour lever on mettait dans bateau c'est différent avec ici c'est monde qui engagé pour lever. Mais aux États-Unis, il y a matériel, il y a crane pour lever boîte là et aussi il y a forklift qui pour lever. Et qui contrôle bon, comme nous tout en embarquement et qui contrôle qui regard moun sa ko di an genyen sou ensemble koli ka rentre sou bateau a pour vin Haïti. Là di regard c'est au niveau de aux États-Unis. Oui États-Unis. OK, là moun nan rive aux États-Unis, premier sa moun nan fait pour rentrer dans gate là, li besoin yon permis qui valable, qui yon licence. On li genyen yon three card. Avec tout cart là c'est fédéral aux États-Unis by tout cart là qui gagne toute information mon ta la donne pour l'entrée sous port pour venir porter marchandise. Le monde ça arrivé qui ça nous fait nous prend information mon ta, nous prend nom mon nan, nous prend téléphone mon nan et mon cap recevra au Haïti et téléphone mon cap recevra Haïti. Pour de passer en plein main ou dit que ni ou ni Mario nous toujours présents dans débarquement Miss Lilian. Comment faire c'est le nous la caille nous. Nous pas jamais joindre une pièce information qui dit nous gen bagay qui sorti dans bateau qui illégal tant qu'aux armes avec munitions. Non, c'est pas la caille nous tenons là où je viens nous sur place nous sur boîte là le checker boîte là. Nous sur boîte, c'est nous même qui livrer marchandises dans les marchandises de la vini mettre parce que la fin réclamer marchandises nous vérifier avec marchandises avant qu'elle prenne. Et nous avons l'autre monde encore qui fait vérification ça. Et qui côté exactement il a arrêté Marie ou et pour qui ça ou même tout il a pas arrêté au même jour. Moi j'étais Marie m'était venu parce que l'un va commencer débarquer. Marie m'était accompagné monsieur avocat avec toute cette force qui a pas monté bateau avant que nous commence débarquer mais moi même m'a pas corrigé s'il vous plaît. Ou pas corrigé ou même? Pas corrigé. OK, qui côté il a arrêté Marie ou? Il a arrêté sous afflant, sous afflant de paix. Fort de paix. Et qui ça vous dit au reproché? Il a reproché comme association de malfaiteurs et trafiquants d'armes. Ok. On y a arrestation, nous avons besoin de présence d'un avocat. Qui premier oui. Pas, qui premier deux marches ou même, comme une propriétaire, Miss Lily, ou même avec Marie, qui premier deux marches qu'on mène de paix étant? Le premier deux marches que nous avons mené, c'était dans lundi. Après que nous avons fini le temps des commissaires, la TMT interdiction de pas pour bateau, nous avons consulté un avocat qui était M. Jean-Marie Coestal. M. Jean-Marie t'a demandé est-ce que j'ai une lettre qui dit que vous mettez interdiction de départ pour bateau. Moi, je dis M. Jean-Marie, non, que je n'ai pas gagné. C'est sur Radio Caraïbe que je m'entendais et commissaire a dit ça. Il dit mais bien, ok, pas de problème, je vais prendre le commissaire là, moi, je vais faire qui ça gagne. Mais j'ai mal pas même j'ai une chance. Ma connaissance était une chance à côté commissaire là, on le dit. Et puis c'est ça vient, je viens arrêter Marie maman dit matin. Elle est 10 heures. Et qui est-ce qui te met au côté de Marie? Elle m'a prêté relais mais Jean-Marie, moi pas ta jeune mais Jean-Marie. Moi là Kylie, moi pas ta jeune ni pour me dire mais ça fait il me connaît ensemble avec Marie pendant tout ça fait fouille là. Et c'est là ça moi obligé à engager un autre avocat qui fait mettre Michel Blanc. Qui voulait faire procédure pour la guerre marine. Et M. Michel Blanc, c'est lui-même qui dévoie les requêtes qui fait que vous libéré Marine. Donc, en toute âme et conscience, vous reconnaître que vous engagez des avocats qui sont M. Jean-Marie ainsi connu et M. Michel Blanc, c'est ça? M. Michel Blanc.
et qui koto pral fait connaissance avec maître Robinson Pierre Louis qui lui-même identifié tête lui comme avocat Mario et Mario. Moi fait connaissance avec maître Robinson Pierre Louis, c'est le maître Robinson Pierre Louis dit que maître Blanc c'est consisté dans dossier que me pas connais, me pas connais maître Robinson Louis du tout, ni pas jamais gagner maître Robinson Louis non plutôt comme avocat. Moi pas connais que M. Michel Blanc travaille avec le conseil, mais moi-même, pas de jambes consulter M. Robinson Pierre-Louis. Donc, il n'y a pas de moment, on ne peut pas parler avec M. Robinson non plus. Non plus.